Nous avons quelqu'un qui adore le rock'n'roll, qui adore le blues, qui adore la country. Il m'a dit que parmi ses chanteurs préférés, il y avait Willie Nelson. Alors, il faudra qu'il se fasse pousser les tresses pour imiter Willie Nelson. Là, il va imiter Elvis Presley, période Las Vegas. Vous savez, les costumes extravagants. Il s'appelle Franz Govaerts. Il habite à Mont-Saint-Marchienne, c'est-à-dire près de Charleroi. Je l'ai dit, il a 18 ans, je ne sais plus. En tout cas, c'est un passionné de musique, de chansons. Il fait des imitations pour le moment, il fait beaucoup de spectacles, mais ce qu'il veut, c'est faire sa propre carrière avec ses propres chansons. Mais nous, aujourd'hui, on va le regarder et l'écouter dans une adaptation, une chanson d'Elvis Presley qui s'appelle « It's Now or Never », Franz Govaerts. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, when your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Know that you're near, the time is here, at last. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Will tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we will cry surrender. My heart was captured and sweet devotion. Your lips excite me, let your hand then fight me. 4 years no rest, let me do again at last. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Well, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my Lord will. It's now or never, my Lord. Franz Govaerts, tu aimes rock'n'roll, tu aimes Elvis Presley. Je dois lui dire un bravo encore parce que pour interpréter cette chanson, il faut beaucoup de sentiments et une très belle voix et il a tout ça. Alors il a appris la gestuelle par cœur, oui. Même les mimiques de visage. C'est vrai. Et puis il avait les bagouses, les bagues. Aussi, hein, il a pensé à tout. Le vrai Elvis, période Las Vegas, parce que la période Memphis, les années 50, elle était différente. C'était le cuir, les cheveux différents et tout. Bravo, en tout cas, c'était l'un d'entre vous, un téléspectateur de RTL TVI. Qui est venu s'essayer à la technique des professionnels de la télévision et il a bien réussi parce qu'il a vaincu le trac, il a bien chanté. Petra,